L'histoire de pas de bol. C'était l'heure creuse chez Panique. Deux minutes, qui venait d'être promue du comptoir au service de la salle, rêvait appuyée contre le montant de la porte, tandis que la patronne s'épuisait à vérifier ses comptes. Tout noir, le matou de la maison s'était assoupi dans une pose photogénique. Tabagri et moi sirotions sans hâte une bouteille de chenat. J'avais un léger mal de crâne. Les yeux rivés sur tout noir, Tabagri monologua. J'ai connu un type qui était dompteur. Je n'ai jamais su comment il se nommait en réalité, mais nous, on l'appelait pas de bol, parce qu'il collectionnait les tuiles. Le pauvre vieux avait des cicatrices partout. Je dis vieux, mais sa cinquantaine était toute neuve. Son truc favori consistait à fourrer la tête à l'intérieur de la gueule d'un lion. Et, crac, régulièrement, le lion éternuait, ou rotait, ou lui balançait un coup de queue. Enfin bref, pas de bol se retrouvait à l'hôpital où bien entendu tout le monde l'accueillait à bras ouverts. Un jour que sa fille, 2x2, une belle fille d'ailleurs, et gentille, institutrice, le raccompagnait à la maison dans sa deux chevaux tout mandé et tout badigeonné, elle le chapitra. « Papa, ça ne peut plus durer. Tu es peut-être un excellent dompteur, mais avec ta poisse, tu finiras par te faire croquer. Il faut que tu changes de métier. » Pas de bol protesta comme un diable. « Je n'aurais jamais dû manger ces escargots à la Provençale, c'est tout. Gros Minet ne supporte pas l'ail. Je le savais, mais que veux-tu? On ne peut pas penser à tout. » N'empêche, continue 2x2, le directeur a dit qu'il ne te reprendra pas, et il a fait le nécessaire pour que personne dans la profession ne veuille de toi. L'assurance a résilié ton contrat. Mon petit papa, il faut mieux t'habituer à cette idée, plus de fauves pour toi. Tu vas rester à la maison jusqu'à ce que tu sois complètement remis. Et après, on trouvera bien un job pour t'occuper. Dans le spectacle, si tu y tiens, mais loin des coups de griffe et des coups de croc. Je ne tiens pas à devenir orpheline. Tout ce que pas de bol peut dire ne sert à rien. Il se retrouve donc à tourner dans les trois pièces de son appartement comme un ours en cage. Sa seule distraction consiste à parler à son chat Tarif de Nuit, un tigre héroux toujours aux aguets près du frigo. « Vois-tu, mon pauvre Tarif de Nuit, discourait pas de bol, on raconte que la langue la plus efficace pour le dressage est l'allemand, parce que c'est une langue dure avec des syllabes qui claquent comme des coups de fouet. Eh bien, je ne suis pas d'accord. À mon humble avis, la meilleure langue est encore celle des sourds-muets. Pas de son, pas de cri, des gestes. Voilà mon secret. » Bien sûr, il m'est arrivé de connaître des échecs, mais en quantité négligeable, si on évite de faire intervenir des éléments extérieurs. Ma méthode est révolutionnaire. Je ne peux pourtant pas abandonner au moment où je suis à deux doigts de la réussite. Tarif de Nuit répondait par des ronrons tout en se livrant à un parcours compliqué entre les jambes de son maître pour l'attirer vers le frigo. Pas de bol croyait dur comme fer que son chat le comprenait, si bien qu'à la longue, il lui vint une idée biscornue. Faute de lion ou de tigre, pourquoi ne pas entreprendre le dressage de Tarif de Nuit? Sa fille ne pourrait rien trouver à y redire, puisque le matou était inoffensif. En revanche, c'était un félin quand même. Voilà pas de bol qui se met au travail. Et quel travail! En quelques jours, il vieillit de 10 ans. Les rides qui viennent comme si c'était le chat qui perdait ses poils, sans parler des cheveux blancs. En fait, Tarif de Nuit se révèle bientôt comme le plus entêté des chats. Il semble faire exprès de ne rien comprendre, et malgré son intérêt passionné pour le poulet, impossible d'obtenir le moindre résultat. « Il est trop vieux, se dit pas de bol, je vais me procurer un chaton, ce sera plus facile. » Dès lors, il se désintéresse du vieux Tarif de Nuit, pour se consacrer exclusivement à Truffe Rose, un jeune angora au regard sournois. Alors là, pas de bol frise l'apoplexie. Truffe Rose ressemble à ces cancres qui ont l'impudence de s'installer au premier rang de la classe, regardent le professeur dans les yeux, ne chahutent jamais, mais qui ont l'esprit totalement imperméable, s'ils possèdent un esprit. Pas de bol essaie l'une après l'autre toutes les techniques. La carotte, le bâton, le pelotage, les petits bisous, les coups de pied dans le ventre, rien à faire. Un jour, le facteur apporte une lettre recommandée, et tandis que pas de bol signe le registre, Truffe Rose en profite pour filer à l'anglaise par la porte entrouverte. On ne l'a jamais revu. « C'est un mauvais sujet, décide pas de bol. Je vais soigneusement sélectionner le prochain. » Il fait l'acquisition de Billes de Loto, un persan aux yeux louches, mignon malgré tout. En même temps, comme il éprouve de sérieux doutes sur sa méthode, il achète un manuel d'allemand. Et c'est reparti pour un tour. Billes de Loto a beau se faire traiter de tous les noms à teuton, il se lave les pattes de la situation. Si pas de bol chantait, ce serait pareil. Et ce n'est pas Wagner qui risquerait d'y changer quelque chose. La nuit, pas de bol a d'horribles cauchemars, au cours desquels Billes de Loto lui récite du Goethe dans le texte. Le malheureux ne mange plus, ne boit plus et envoie sa fille au diable si elle a l'audace d'éternuer. La vie devient intenable, sauf pour Tarif de Nuit dont personne ne s'occupe, en dehors des heures de repas. « Il a fini par renoncer ? » demandai-je, en emplissant le verre de tabagri. « Penses-tu ?
Il était bien trop obstiné. Au 12e chat, il est devenu franchement cinglé. On l'envoie dans une clinique d'avant-garde avec psychiatre pratiquant l'antipsychiatrie. On le dorlote, on le chouchoute. Si bien qu'au bout de 5 ans, il peut à nouveau voir un chat sans se prendre pour un Doberman. Et il cesse de parler allemand. Parce que c'est surtout ça qui inquiète son médecin, sa manie de parler allemand. Un jour, sa fille vient le chercher avec sa deux chevaux pour le ramener à la maison. « Tiens, qu'est-ce qui est arrivé à Tarif de nuit ?» demande Pas de bol. « Il n'est pas là ?» Deux fois deux lui explique qu'il a intérêt à penser à autre chose. « Mais non, insiste Pas de bol, je suis tout à fait rétabli à présent. Ça me ferait plaisir de le revoir. »« Tu en es certain ? Ça va pas provoquer une rechute ? Puisque je te dis que je vais bien. Je te jure de ne plus jamais entreprendre un dressage. Alors, là, tu es satisfaite ?» Deux fois deux le regarde droit dans les yeux. Puis, convaincue, elle décroche son téléphone et appelle l'ambassade d'Allemagne. « Tarif de nuit, s'il vous plaît. »« Ah, c'est sa secrétaire ? Il est en conférence ?»« Non, ne le dérangez pas. Pouvez-vous lui demander de rappeler au numéro suivant dès qu'il aura terminé ?»« Je vous remercie. Danke schön. »